faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Après l'inhumation de l'artiste DJ Arafat, ses fans, appelés communément les Chinois, ont procédé à l'exhumation du corps de l'artiste, prétestant que ce ne serait pas la dépouille de leur idole. Qu'en pensent les Ivoiriens? Particulièrement, moi, ça ne m'a pas plu de voir que de voir des personnes profaner la tombe d'Arafat parce que, vu la figure légendaire qu'il est en Côte d'Ivoire, c'est pas normal de voir que il y a des personnes qui prétendent l'aimer aller profaner sa tombe. Parce que c'est honteux vis-à-vis de ses enfants et de sa famille. Donc moi, je trouve que c'est pas normal. Selon moi, c'est dû au fait que certaines personnes croient que Arafat était dans un cercle, disons qu'ils ont voulu enlever certains de ses membres parce qu'il était dans un truc bizarre. Bon, je trouve que c'est ce qui a fait qu'ils sont allés profaner sa tombe. Bon, moi, je suis contre. Je suis contre la profanation de la tombe d'Arafat. Voilà. La première raison, d'abord, en fait, le comportement chinois que je suis, le comportement que les chinois ont eu n'a pas été bien. Voilà, n'a pas été bien. Le fait d'aller retirer la tombe et le cercueil du caveau, puis ça n'a pas été bon. Voilà, c'était juste pour savoir si c'était vraiment. Parce qu'au Félicia, il y avait des ragots qui coulaient, qui couraient, qui disaient que non, c'était pas Arafat qui était dans la tombe, que la tombe d'Arafat. Le corps d'Arafat avait disparu. Voilà. Donc, les Chinois voulaient réellement voir si c'est Arafat qui est dans la tombe ou pas. Raison pour laquelle ils se sont comportés ainsi. Mais c'est seulement ce caractère-là ne m'a pas plu, en fait. Oui, je vous regarde. Moi, pour moi, je trouve que c'est un peu ignorant. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu un corps, c'est normal. Mais pour quelqu'un qui a déjà vu un corps, il ne veut pas agir de cela. Sinon, normalement, c'est lui. D'autres ont fait allusion avant qu'il ne meure, puisqu'il avait des deux sur la tête. Mais en Afrique, là, quand on enterre là, on change automatiquement ton visage. Il faut te coiffer et puis il faut te rendre comment tu étais dans tes débuts. Puisque le gars a fait un accident, il a des déchirures, mais il faudrait qu'on arrange le visage. Mais ils n'ont pas compris. Mais je n'en veux pas à ceux qui ont fait ça là. Ils ont été ignorants, c'est tout. Ils sont normalement là. Ça ne doit pas se passer comme ça. Sinon, effectivement, c'est Arafat. Faut pas, ils vont, bon, dire ça autrement ou bien accuser quelqu'un d'autre. Soit c'est pas lui ou bien c'est lui. C'est lui vraiment. C'est comme ça que ça se passe. C'est lui. Pourquoi ils ont laissé Tina Spencer à ne pas voir le corps d'Arafat? De la manière, elle était tellement, étant peut-être dépassée et puis elle venait là. Normalement, moi je suis d'accord avec ça. Il fallait qu'on ferme le cercueil. Sinon, elle allait faire des gars. Moi je suis d'accord avec ça. Parce que j'ai pris le temps de tout regarder. Je suis d'accord avec ça. Sinon, elle avait déjà tout vu. C'est pas en regardant encore dans le cercueil là que ça allait changer. Sinon que ça avait toi en habillé le corps de ton enfant. Donc il n'y a pas d'erreur là-dessus, normalement. Avant de monter, les gens lui ont dit, laissez-le venir. En venant, elle a commencé à crier. Le gars lui a dit non. Le président était là, le ministre de la Défense, il a dit non. Attrapez la dame. Je n'étais pas présent, mais j'ai regardé ça en direct. Ça s'est fait en direct. Il n'y a pas de montage. C'est fait directement. Il n'y a pas de montage. J'ai regardé. Bitogo était là. Ahmed Bakayoko était arrêté là. Quand ils l'ont tapé, c'était adossé. Ils l'ont laissé. On lui a dit de partir. Elle a dit qu'on a laissé le dernier morceau. Qu'elle va écouter ça d'abord avant de partir. On lui a laissé, c'était adossé sur le cercueil. Puis ils l'ont fait partir. Donc il n'y a pas de mal dedans. Il n'y a pas de mal. Tout qu'on fait là, elle peut le regarder à n'importe quel moment. Que soit en fin, que soit en fin pas, arriver au cimetière, on ouvre encore le cercueil. Moi, j'ai été victime de ça. Tu peux regarder encore. Donc, il n'y a pas de mal dedans, étant au Félicia. Si elle n'a pas pu regarder sur Félicia, après, ils vont penser en mal. Voilà. Bon, c'est pas ce qui a poussé les gens à aller faire sortir la tombe et le cercueil de la tombe. C'est un autre esprit qui est venu peut-être en eux. Sinon que, c'est pas normal. Quand tu es peut-être baoulé, quand un guerrier enterre son corps, c'est pas normal que tu fasses ça. Quand un sénifou enterre son corps, un attier ne peut pas aller faire déterrer ça. C'est une terre nordiste. Ceux qui ont fait ça là, ils vont payer. Et ils n'ont qu'à regarder. Ils vont payer. Ça va arriver. Ils vont pas croire. Ça va arriver. C'est pas normal. Ce qui ne t'appartient pas là, ne cherche pas à tout fouiller dedans. C'est la raison pour laquelle je dis non.
ce qui est arrivé là, ça dépend d'eux. S'ils ont fait ça à leur manière là, laissez-les faire. Sinon, ils ne peuvent pas admettre que non, un djoula peut aller faire sortir quoi d'un guéri dans un cimetière pour voir si c'est lui ou bien c'est pas lui. C'est pas ton enfant, c'est pas ton sang. C'est pas, les régions ne sont pas les mêmes. Et les entraînements ne sont pas les mêmes. C'est pas normal. Ce qu'ils ont fait là, ils n'ont qu'à aller demander pardon. Ils n'ont qu'à aller demander pardon à la nation. C'est pas normal. Ils ont honni la Côte d'Ivoire. Ils ont honni la star. Ils nous ont diminués. Étant chinois moi-même, voilà la tenue que je porte. Et voilà. Bon, en tout cas, ce que les Chinois ont fait par rapport aux gens à un truc, on appelle ça comment même à tombe d'Arafat, ce que les Chinois ont fait, en tout cas, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, mes musiciens, frère chinois, c'est pas normal. Mais c'est pas de leur faute. Les Chinois veulent être rassurés, c'est tout. En tout cas, c'est la compagnie, ils veulent être rassurés. Sinon, en tout cas, ce que les Chinois ont fait, c'est pas normal. Moi, je suis pas allé à ça. C'est pas normal. Bon, selon moi, ce qui les a poussés à faire ceci, en tout cas, il y avait trop de versions. D'autres disent non, qu'Ahmed Bakayoko a fait ceci, Moula a fait cela, donc, on sait pas quoi. En tout cas, c'est pas de leur faute, on sait pas. Donc là, ils veulent être rassurés, raison pour laquelle ils ont fait ça. C'est pas normal. Mais là, parce que je suis, tiens, on reste tous les Chinois. Hein. On reste tous les Chinois. Bon. Ce que je veux dire, ce que Vébel a dit, il n'a pas menti. Ce qu'ils ont fait là, nous on est les Chinois, mais ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Mais la manière qu'ils ont, ils ont mélangé pour déranger le truc de Arafat, ils l'ont déshabillé même. Donc ils l'ont déshabillé, nous on a vu que là, c'est pas bon, mais ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'eux ils ont fait là, par rapport à Arafat, point, ça avait même elle-même, elle n'était pas contente aussi. Puis ça avait elle-même, elle n'était pas contente. C'est pas normal. Ils ont déterré, mais c'est pas normal. Mais qu'ils ont fait, ils l'ont déshabillé, ils ont vu que c'est pas lui, qu'il n'est pas taché sur lui. Donc, ce qu'ils ont fait, nous, on pouvait dire que c'est pas bon. Le corps est là. Nous sommes des Chinois. C'est grâce à nous, Arafat est devenu Yoro aujourd'hui. Quand vous avez déposé le Yoro là, il est mort. Bien vrai, tout le monde sait qu'il est mort. Mais on devait tourner fin siècle pour voir. Le corps étant dans la caisse pour voir le corps, parce que c'est comme ça tout le monde fait pour voir le corps, et puis après on partait l'enterrer. C'est ça, mais là c'est pas bon d'une manière, parce qu'ils donnent une mauvaise image aussi du pays. Parce que même les blancs même sont venus parler de ça, ils ont commencé à insulter les noirs. C'est ce qu'ils pouvaient dire. Nous sommes tous des Chinois. D'abord, pour être franc, Arafat était une personne vraiment très connue. Voilà, on n'aimait pas Arafat, peut-être par sa manière de parler aux autres. Peut-être pas sa musique, mais nous tous ici, nous avons Yoro en nous. Parce que Arafat faisait quelque chose que nous aimions. Peut-être sa manière de parler sur les réseaux sociaux, sa manière de pousser ses camarades à travailler. En tant que Chinois, nous n'avons pas apprécié en tout cas ce que les autres Chinois ont fait. Voilà, parce qu'on a connu Michael Jackson. Michael Jackson avait déjà des fans plus que Arafat. Mais nous n'avons pas vu à quelque part le corps de Michael Jackson déterré. Ni le corps de Bob Marley déterré. Mais pourquoi le corps de Arafat, notre idole, une personne qui a amené le coupé décalé à un niveau où personne ne pouvait imaginer. En tout cas, ce que les autres Chinois ont fait ne viennent pas de nous, les frères Chinois. En tout cas, moi je sais pas, mais c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas du tout normal, c'est pas bien. De traiter un cadavre, c'est pas normal. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire pour la population. Qu'ils n'ont qu'à le laisser en paix, il va partir dans les bonnes conditions. Tout ce que moi je peux l'air. Voilà. Ce qui s'est passé le samedi n'est pas. En tout cas, c'est pas du tout bon pour la Côte d'Ivoire. Voilà, ça salit l'image de la Côte d'Ivoire. Bon, ce que la poussée a fait, c'est là, je pense que c'est l'effet de foule. L'effet de foule. Mais il faudrait que ça ne puisse plus se répéter, quoi. Voilà. Et si Chinois 100%, toi tu sais, Aubin, on est Yoro, Aubin. Sinon, par rapport à tout ce que les Chinois ont fait, disons, d'une part ça a été mauvais, mais de l'autre part aussi c'était jazz. Parce que là, un Chinois, ou bien, comment on appelle là, on est derrière notre mogo, il tja, on ne voit pas son corps, c'est trop bizarre, ou bien vieux mort. En esprit, nous tous, on doit passer même pour au moins vigiler. Parce que nous, on est 100% Chinois, vieux mort. Nous, on est tous prêts pour donner notre âme. Ça, ça ne chauffe pas. Maintenant, un corps, on refuse de voir là. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on veut voir clair dans l'affaire. C'est pourquoi là, ils n'ont pas beaucoup. Ou bien, ils n'ont pas beaucoup, c'est ce là. En tout cas, d'une part, ça a été mauvais parce qu'aller déterrer un corps,
C'est bizarre. Mais là, la vraie vérité est sortie. Ou bien, la vérité est sortie par là. Parce que depuis le début même, genre, nous on a pris ça en buzz. On dit Yoro est mort, on dit Yoro n'est pas mort. Yoro est mort, Yoro n'est pas mort. Il quand même, ça envoie les photos, ça envoie les vidéos, non, il a fait direct, il a fait ceci, cela. Il quand la veille même, on dit non, c'est son corps, c'est pas son corps. Nous aussi, on veut voir clair dedans. Nous, on est vrais chinois, on veut voir clair dedans là. C'est pourquoi nous, on déterre maintenant, et puis on regarde maintenant pour voir réellement si c'est Yoro qui est là ou c'est pas lui. Pour confirmer vraiment que là, c'est Yoro qui a déjà ou bien c'est pas lui qui a déjà. Et après là, qu'est-ce que voilà. Vous avez trouvé? Non, mais après, bon, c'est sûr, moi-même, il n'était pas là-bas, il n'était pas sur le terrain de Turc, où ils l'ont enterré, mais ça a commencé à dire que non, c'était caoutchouc, c'était Turc. Mais en fin de compte, on a laissé le discours comme ça. Parce que là, genre, on n'a pas eu de vraies preuves. Parce que après, ça a commencé à parler encore, les on dit. Tu vois un peu. Donc, c'est bizarre. Bon, à mon avis, par rapport à l'événement qui s'est passé au cimetière, moi, à mon avis, je trouve que l'acte n'a pas été bon. Moi, je n'ai pas trop apprécié parce que de toute façon, même si tu as l'amour pour une personne, que tu veux tout savoir de lui, mais Dieu a déjà fait sa volonté. Voilà, à mon avis, en tant qu'humain, quelqu'un qui est mort, quelle que soit sa manière, quel que soit ce qui va se passer, il est mort. Donc, moi, je pensais que, à mon avis, on devait quand même se comporter comme des êtres humains et qu'un jour, chaque personne est appelée à mourir un jour. Donc, à mon avis, l'acte n'a pas été trop positif, quel que soit ce qui les a menés à faire ça. Bon, je ne peux pas savoir grand-chose puisque je n'étais pas au cimetière. Mais aujourd'hui aussi, avec les informations qu'on entend, on écoute, on ne peut pas témoigner certaines choses. Ce que tu attends de la bouche des gens, tu ne peux pas avouer ça aux gens. Ça, c'est les informations, peut-être sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas de certitude. Donc moi, je ne connais pas la raison, mais ce que je sais, c'est que c'est un homme qui est mort et là que nous autres, on a vu et puis on a écouté aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas appréciable. Voilà, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, ce n'est pas appréciable. Voilà, que ce soit lui ou que ce soit autre chose d'après eux. Mais l'acte posé, vraiment, ça n'a pas été trop apprécié. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.